Dans cette vidéo, nous verrons comment fixer les couvercles de sécurité et les couvre-joints de la porte empilable compacte. Les couvercles de sécurité empêchent les personnes de se coincer dans les rails. La porte compacte comporte plusieurs dispositifs de sécurité faciles à installer. Les cages de sécurité. Les cages de sécurité sont montées sur l'avant des rails. Ces bouchons sont munis de fentes qui se fixent sur les crochets respectifs des rails. Si l'ouverture est très basse, il peut être nécessaire de réduire la cage de sécurité à la bonne hauteur. Sinon, cela pourrait gêner le repliement de la porte. Un ruban d'avertissement noir et jaune doit être collé sur la façade des caches. Les joints latéraux sont montés sur les caches et les rails. Les joints latéraux des caches doivent être taillés à la même dimension que la cache. Coupez le haut du joint latéral à un angle de 45 degrés pour éviter que les panneaux de porte ne se coincent. Il est très important de commencer à fixer le joint latéral en partant du haut, de la haute d'ouverture vers le bas. En raison des mouvements d'empilement en haut des rails de porte, nous recommandons toujours de placer toute jointure nécessaire dans la partie inférieure de la porte. N'oubliez pas de couper le haut du joint latéral en un angle de 45 degrés pour que le caoutchouc supérieur puisse se fermer aisément. Les couvercles plastiques latéraux. L'étape suivante consiste à fixer les couvercles plastiques latéraux à l'extérieur des rails. Les couvercles latéraux sont des clips de fixation, pièces avant et arrière. Nous allons d'abord placer les clips de fixation dans les trous prévus sur les rails. Les pièces avant et arrière mesurent 1250 mm et vous pouvez assembler les pièces avant et arrière en les emboîtant au moyen du trou qui convient. En fonction du rail, vous choisirez l'un des trois trous. Après avoir assemblé ces pièces, vous pouvez simplement les placer au-dessus des clips de fixation sur les rails. La livraison standard inclut assez de couvercles pouvant protéger les rails jusqu'à 2500 mm de hauteur. Enfin, vérifiez la synthèse sur les dernières pages de la notice de pose pour voir si vous avez appliqué toutes les étapes requises. Notez les détails de l'installation dans le carnet et placez-le sous le boîtier de commande. Bravo, la porte empilable compacte est entièrement installée et peut être utilisée dès maintenant.